ce qui est génial avec l'ASMR, c'est que y a pas de règles. Tu peux vraiment te lancer d'un coup comme ça et faire un truc à l'arrache, full impro. Et ça passe. J'en ai aussi une autre. Bon, celle-là, c'est celle de la casquette, du coup. Mais ça fait un bruit différent. J'arrête de boire du coca, mec, avant une vidéo ASMR, parce que ça, j'ai envie de roter toutes les 30 secondes. C'est aussi pas mal comme
vidéos à YouTube, tu vois. Donc 3 vidéos ASMR par semaine. Pour ma chaîne principale. J'ai acheté des instrumentales et j'ai déjà commencé à poser dessus un peu, donc vraiment ça passe bien. Et donc normalement sur ma chaîne principale je vais sortir pas mal de clips de rap prochainement. Chacun dans sa vie a besoin d'une période comme ça, de solitude et de charbonnage, tu vois, pour se trouver, aussi pour savoir apprécier la solitude. Bon, ça c'est déjà un truc que je savais, tu vois. Ça dépend si ce que vous faites actuellement. Je veux dire, si vous êtes en étude et que vous savez déjà ce que vous voulez faire et tout. Et que voilà, faire des CDI et tout, ça vous dérange pas, bah allez-y, tu vois. Mais c'est pas un truc fait pour tout le monde. C'est des écouteurs, du coup.
C'est mon téléphone, un Samsung S21. Très bon téléphone. Le seul point défaut que je dirais, ça serait que la batterie tient pas hyper longtemps. Après, ça dépend. Moi, j'utilise beaucoup, tu vois. Mais je pense que c'est le. C'est l'écran 144 Hz qui consomme pas mal. Hein. Qui a un mode économie d'énergie pour et du coup l'écran il est plus long et tout, enfin il est normal hein. Mais quand t'es habitué aux 144 Hz, t'as pas envie de l'enlever tu vois. Du coup j'ai pas en l'utilisant, je pense que la batterie tient 4-5 heures si tu utilises sans arrêt tu vois, genre ça dépend ce que tu fais, si tu fais un jeu dessus ou si tu joues à un jeu ou si tu regardes une vidéo. Et avec les téléphones, faut pas les utiliser genre jusqu'à ce qu'ils s'éteignent et qu'il n'y ait plus de batterie du tout, tu vois, genre normalement quand il est à minimum, faut qu'il soit minimum à 5%. Et là tu recharges. C'est mauvais pour la batterie, je crois. Faut mieux être durablement longtemps, tu vois. Et après aussi, voilà, si tu le charges en mode il est à 5% et que tu le débranches quand il est à 20% et que tu le revides et que tu le remets encore après, c'est pas hyper good aussi. Enfin, je sais pas, il y a des techniques comme ça, tu vois. C'est rien, ça veut rien dire, c'est un effet placebo. Je sais pas, peut-être, mais non, je pense pas. Je pense qu'il y a quand même des techniques. Ouais, la coque Rhino Shield, mon gars. Vraiment, c'est une très bonne coque. Il est tombé pas mal de fois et franchement, il a R. Après la coque est de coûter 30 balles peut-être. Mais franchement elle fait le taf, putain mais ça focus pas gros. Ça ne focus pas. Pas du tout. Bref. Sur ce.
de like si vous aimez les petits trucs chill tapping comme ça. Sur ce, je vous dis.